Bonjour Caroline. Bonjour Lorraine. Bonjour, Caroline, bonjour Guillaume. Vous êtes directrice du recrutement du groupe Mantu. J'appelle M-A-N-T-U. Avec vous, on est dans le conseil, on est un peu dans la technologie. Dites-nous ce que et vous, beaucoup dans l'humain aussi. Temps, vous faites. Tout à fait. Mantu, c'est d'abord un groupe indépendant de conseil aux entreprises et aux entrepreneurs. On est présent déjà dans 60 pays. C'est une aventure qui dure depuis 15 ans. C'est déjà une communauté de 7000 talents, de plus de 100 nationalités. Et notre métier, c'est d'accompagner nos clients sur chaque étape de leur transformation, donc que leurs besoins soient managériaux, technologiques ou d'innovation. Bon, alors vous êtes 7000 dans le monde, ça n'a rien d'une petite société, basée à Genève. Basée à Genève. Aussi, voilà, présent dans une soixantaine de pays. Et vous recherchez du monde aussi, vous recherchez près de 3000 personnes. C'est des chiffres qui donnent le tournis, même si on comprend le business model d'un cabinet de conseil. Ouais. Qu'est-ce qui explique vos besoins de 3000 cerveaux et de 6000 paires de mains? Disons que les entreprises actuellement, elles ont besoin d'innover, de se réinventer pour faire face à des nouveaux modes de consommation. À leur marché, à leur environnement. C'est le cas notamment avec la crise sanitaire, mais bien avant, on a été amené à devoir développer des nouvelles solutions technologiques pour nos clients. Et la croissance des années à venir nous montre qu'on va avoir besoin encore et toujours plus de talents. Parce que les talents sont au cœur du recrutement chez Mantu. Depuis 15 ans maintenant, on recrute chaque année de nombreux talents et on a prévu encore l'année prochaine, de recruter 3000 talents. En une grosse minute, les profils que vous recherchez, Caroline. Alors, on va rechercher aussi bien des profils business, donc pour accompagner le développement de nos activités pour l'ensemble des marques qui composent l'écosystème Mantu, puisque Mantu, ce sont 13 marques, donc 13 expertises qui accompagnent nos clients au quotidien. Donc, des profils commerciaux. On va également recruter des profils techniques pour accompagner eh bien, nos clients aussi sur leurs enjeux technologiques, puisqu'on a bien vu que la tech, c'est au cœur de notre métier et au service de nos clients depuis le début. Alors concrètement, c'est-à-dire que vous aussi, vous cherchez des développeurs, vous aussi, vous cherchez des product owners, des experts tout le monde cherche. Dans tout ce qui est data science, et puis même des experts dans tout ce qui va être réalité augmentée et virtuelle. Tout à fait, puisque une des marques de l'écosystème Mantu qui s'appelle Novelab, qui est un des studios immersifs les plus récompensés d'ailleurs au monde, cherche à réinventer les expériences de nos clients, les interactions qu'on peut avoir avec notre entourage, et utilise des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et on a également aussi un laboratoire d'innovation en France à Sophia Antipolis qui compte aujourd'hui une quarantaine d'experts en data science et en intelligence artificielle et on recrute également dans ces métiers-là. Voilà, 3000 postes à pourvoir. Oui, vous l'avez entendu, profil tech, profil business commerciaux et puis business développeur et puis toujours aussi du marketing parce que pour accompagner cette croissance, il en faut. Alors c'est très simple, pour retrouver les offres d'emploi chez Mantu, vous allez sur le site Mantu, c'est le site careers en anglais .mantu.com et puis comme tous nos recruteurs et nos recruteuses, chaque jour vous retrouvez ces interviews sur LinkedIn, sur Twitter quelques minutes après le direct et puis sur la page des replays de 60 minutes business, tous nos recruteurs, nos recruteuses pour voir les postes à pourvoir. Et c'est enregistré en tout cas. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous deux. Merci d'être passée nous voir aujourd'hui. Caroline Decret, directrice du recrutement du groupe Mantu avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.